Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, Chinotre, Nédé. Hello. Mwana États-Unis, tata yoki kolela na bino, atindeli bino, mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolela lokola moto aza na mombele, lokola moto aza na ngaba. Merci mon but. Wow! Bana États-Unis, kolia bio et komi lolenge na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, tope mafuta ya mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Che mama Samira, mansom azali, eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga va bete, bona kozwa biloko a detail. Yoka numero, numero 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka misia kokauka mongusu mafuta mbila et kokoma lokola bazoka na yo. Yeyo kombone mama Samira makiambae. Plus précisément la carte de Washington. Malobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Malobi shop Africa Union. Mais quand t'es gagnant, ça, il y a un yo congolais. On y dit de la yo, à ça, il y a un thé. Bon à Korea, la yo, comme à bon de la yo. Bon à tout, on a yo, comme à bon de la yo. Bon à yo, Malobi bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à quoi la machine sinon voyez pas y'a sinon voyez à dire mon commandant n'est pas là t'es pas là t'es pas là y'a un boca y'a fresh y'a bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo pour la mon canja y'a sali parobi n'y a pas y'a li et un coup à paniwa parobi en tente y'a li y'a un boto y'a un bise la parobi n'y a pas y'a boto n'y a pas y'a boto y'a pas y'a ne t'as la n'gando n'y a pas y'a n'a pas y'a oye de que n'a soutou eza kodia n'a peti pour maman mande y'a solo pour pas tout comprendre te mawa pas congolais où allons-nous où allons-nous pour n'a kodia n'a pino moko pas quoi de la dino kodia n'a peti. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. C'est un grand honneur de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent, nous allons commencer déjà nos diffusions de nos programmes dans Congo Buzz, version locale, dans peu de temps. Merci à toutes ces personnes qui m'ont écrit, mais aussi qui m'ont appelé, qui m'ont fait des messages, qui ont contribué bien évidemment à ce que nous sommes en train de faire. Coup de chapeau à vous, le plaisir a été partagé, donc je suis très heureux. Mesdames et messieurs, vous le savez, Critique Info, c'est pas seulement une émission d'information, c'est aussi une émission de veille des consciences, c'est aussi une émission de nous réveiller. Je le dis et je continue à le dire. Autrefois, je parlais de groupes, de personnes, Yamboka. On a parlé du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe. Permettez-moi de revenir sur la question, mais la domaine Moussousou maintenant. Vous savez, dans un pays sérieux, enfin, dans un pays, parce que le pays n'est pas moins sérieux, les pays sérieux ou moins sérieux, c'est des qualificatifs qu'on donne aux animateurs de ce pays-là. Un pays qui se veut émergent, qui veut aller de l'avant, outille, équipe ses propres habitants. C'est le premier défi. Le premier défi d'un État, ce n'est pas de construire des routes. Le premier défi d'un État, ce n'est pas de construire des ports, de construire des universités, de construire de je ne sais quoi. Le défi premier et majeur d'un pays, ce n'est pas d'avoir une armée forte.
Ce n'est pas d'avoir une police dissuasive. Ce n'est pas d'avoir une économie, je ne sais pas moi, à plusieurs chiffres. Le défi majeur, il n'y en a qu'un seul. Parce que c'est celui-là qui construit tout le reste. C'est la mentalité. C'est le défi de la construction des hommes. Quel type d'homme pour quel pays? Vous allez lire tous les livres du monde, l'on va vous dire. C'est la qualité des Allemands qui a fait que l'Allemagne est à la Nengezaboué. La qualité du cerveau des Allemands. La production de l'Allemagne, la construction de l'Allemagne n'est pas un produit américain. Ce n'est pas un produit européen, je veux dire français ou suisse. C'est l'élite allemande qui a réfléchi selon son passé, qui a compris les erreurs des anciennes générations, qui s'est activée dans la recherche de nouvelles ressources, de nouvelles méthodes, de nouvelles applications pour s'adapter non pas à ce monde, mais au monde futur. Tout ce que vous voyez en Angleterre, c'est le produit de l'élite anglaise. C'est le refus d'être dans une collectivité commune, on va dire ça comme ça. Même au niveau de l'Angleterre, ils se disent, nous voulons le nous. Nous ne voulons pas un nous commun abstrait. Nous voulons un nous objectif, un nous qui nous concerne, qui nous interpelle, qui nous définit et qui nous dessine. Et ce produit d'intelligence-là a fait que l'Europe, disons, je veux dire, l'Angleterre soit celui qu'il est. L'Amérique, c'est la même chose. L'Amérique est le produit des Américains. Bon, on va dire des puritains qui sont venus de l'Europe, mais après, ils se sont identifiés comme pas des Européens, mais comme des Américains. Et ils sont fiers. Ils ont commencé par créer une culture de liberté, une culture de la recherche du bonheur, une culture de l'identité, de la reconnaissance de leur propre identité. Ils se sont conciliés avec leur sol, avec leur sous-sol, avec l'espace et ainsi de suite. La Chine, l'Asie font la même chose aujourd'hui. Donc c'est en réalité les hommes qui construisent des pays. Et pas que tous les hommes, c'est des hommes que l'État équipe, que l'État crée, que l'État fabrique, que l'État modèle, que l'État inspire, outille, et que l'État dispose. Mais maintenant, nous, dans nos pays africains, l'État n'investit pas dans la création d'un type d'homme. Vous allez aller au Burkina Faso, vous allez aller partout en Afrique, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème d'hommes. Parce que ce sont les hommes qui ont fabriqué le système. Le système ne peut pas être malade si l'homme n'est pas malade. Le système devient malade parce que le système copie son fabricant. Le fabricant du système, c'est l'homme. Lorsque les hommes sont malades, le système devient malade. Or, lorsque le système devient malade, toutes les institutions deviennent malades et l'homme devient deux fois, trois fois plus malade qu'il ne l'était avant. Généralement, c'est la tolérance à la bêtise, c'est la faiblesse de la correction, c'est la faiblesse de créer des systèmes importants, c'est l'exigence, l'absence de culture de l'excellence. Et toutes ces choses-là fabriquent la médiocratisation. Je l'ai toujours dit, la médiocrité. Et aujourd'hui, la RDC, notre pays, c'est la même chose. La gouvernance ou les gouvernances qui ont précédé ont créé des hommes faibles en les abandonnant. Parce que les hommes faibles ne se créent pas forcément par l'État, mais se créent par le laxisme et le silence de l'État. Il n'y a pas une école où on forme des faibles. Détruisez l'école, les faibles seront créés eux-mêmes. Il n'y a pas une école où on forme les aventuriers. Détruisez juste le système des pensées, il y aura beaucoup d'aventuriers. C'est comme ça. Mais pour créer les hommes matures, éduqués, formés, équipés, vous n'avez pas. Ce n'est pas un hasard. Non. C'est la combinaison de certaines énergies, de certaines formules, et vous mettez en place, vous avez un type d'homme. Et c'est à vous de voir. Donc, si les silences, l'incapacité peuvent créer des faibles, le silence et l'incapacité ne peuvent jamais créer des cerveaux. Et donc, dans ce fait, nous avons trois types de cerveaux.
que nous avons réussi à créer dans ce pays. Le premier groupe de cerveaux, c'est des cerveaux faibles, comme on dit des petits cerveaux. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été abandonnés par le système. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont jamais été pris en compte par le système. On ne les connaît pas, on les ignore. Ils ne sont jamais allés à l'école, ils n'ont jamais eu de bénéfice. Ces gens-là discutent des petites choses. Vous allez le voir parler, ils sont dans la confusion la plus extrême. Et ce qui est très bizarre, ils parlent de tout, partout et à tout moment. Ça parle beaucoup. Et les combles dans tout ça, ils sont majoritaires. Ces gens-là, s'ils ont le pouvoir, on est tous foutus. On est tous foutus. Parce que eux, ils n'ont aucune perception de la vie, aucune conception de la vie. Leur vie se résume à manger, boire, et c'est tout. C'est tout. Pas d'anticipation, pas de réflexion profonde, pas de raisonnement. En tout cas, rien du tout. Pour eux, si je mange, c'est bon. Si je bois, ça va. Si je peux m'habiller, ça marche encore. Le plus important pour eux, c'est vivre maintenant. Ils vivent à l'instant. Ils vivent dans l'immédiat. Ils ne voient pas demain parce qu'ils ne connaissent pas demain. Ils n'ont aucune promesse avec l'avenir. Ils n'ont aucun avis. Ils n'ont pas d'opinion. C'est les gens qu'on amène à gauche et à droite. Ils n'ont pas d'opinion. Ils ont des yeux pour voir, mais ils n'ont pas de bouche pour parler. Et quand ils ont de bouche pour parler, ils disent tout, sauf ce qui devrait être dit. Parce que vous savez pourquoi? Ils sont en bas. Et quand on dit en bas, ils sont véritablement en bas, au point que même la terre est plus élevée qu'eux. Vous avez la deuxième catégorie que les gouvernances créent. C'est la catégorie des cerveaux moyens. Les cerveaux moyens, eux, c'est ce que M. Mbanda appelait des semi-lettrés. Ils sont allés à l'école, mais pas pour apprendre. Je veux même dire, ils sont allés vers l'école. Ils se sont approchés à l'école, mais ce n'était pas l'école. Vous allez me dire, ils ont étudié. Oui, ils ont étudié. Ils ont été dans des grandes écoles aussi en même temps. Ils ont été dans les grandes infrastructures. Mais ils n'ont fait que passer le temps. Ils n'ont pas compris les choses. Ils n'ont rien compris dans leur vie, de la vie. Ils sont nombreux aussi, nombreux. Ils parlent généralement démocratie sans comprendre c'est quoi la démocratie. Pour eux, quand ils parlent démocratie, mais ils entendent par là anarchie. Et quand ils parlent justice, ils parlent faveur. Et quand ils parlent police, ils parlent répression. Quand ils parlent armée, ils voient la guerre. Quand ils parlent de route, et pour eux, c'est des petites ruelles. Quand on dit des ponts, c'est des petits ponts de 20 mètres. C'est des hommes et des femmes sans aucune ambition. Ils n'ont pas d'ambition. Ils n'ont pas de courage. Ils travaillent pour de l'argent, ils travaillent pour gagner la vie et c'est fini. Mais ils ne travaillent pas pour sauvegarder les valeurs. Ils ne connaissent même pas les valeurs, ils n'ont rien à voir avec les valeurs. Batomodela Nabaza et Bélé, c'est des gens immoraux. Ils ont des diplômes, mais ça reste des immoraux. Ils ont le pouvoir, mais ça reste des immoraux. Ils sont nombreux. Ils n'ont aucune délicatesse, aucune politesse, aucun respect, aucun principe de vie, pas d'hygiène. Vous le voyez dans toutes les bêtises. Ils peuvent vivre dans la bêtise comme la prairie, quoi. Donc, ils peuvent vivre dans ça. Et c'est pour eux très élégant. Baza Bongo, voilà pourquoi quand ils sont à la télé, ils n'ont pas honte d'insulter, ils n'ont pas honte de raconter des bêtises. Et vous voyez ces gens, il y en a beaucoup, des journalistes, des pasteurs, des politiciens, ils aiment la bêtise. Ils ne peuvent pas faire des grosses et des grandes projections. Ils aiment accuser et ils aiment s'excuser. En réalité, Batona Bazape est mêlé dans beaucoup d'ambition. Ils n'ont aucune ambition, Batona ambition à mon côté. Et la grande question qu'on se pose, si on leur donne le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Ils détruisent tous les tissus. Et ils n'ont aucune ambition. Batu Modelana Baza et Bélé Nambokanabiso. Quand ils sont journalistes, ils passent la longueur de la journée à Bango en criant, en racontant des bêtises. Ils sont prêts à aller dans les lits des gens. Pour la Bango plaisir, ils peuvent mettre toute leur intelligence dans des histoires futiles. Président Bima Kiboy. Mosinaya Kabela qui est fleur. Tala Batambola Kiboué, Tala ancien président, Atelemina Kingakati, Tala Okuna, ils aiment ça. En fait, ils ne peuvent pas réfléchir en dehors d'un mot. Tala Koutou président de l'Assemblée nationale, Kemaki Plastel, Tala Koutou président du Sénat, ils sont dans ces choses-là. Mais ils disent qu'ils sont journalistes, mais ils sont journalistes de petits, ce sont des moyens, des esprits pas très éclairés en fait. Ils sont nombreux, ils sont députés sans aucune motion, ils sont députés sans aucune démarche parlementaire, sans aucun travail parlementaire, mais ils sont députés.
Baza est belé dans le modèle. Baza est belé. Et ces gens-là, le quoi la baza moins mingi, vous allez comprendre vite parce qu'ils vous imposent un débat inutile. Vous allez vous connaître, vous allez vous connaître, vous allez vous connaître, vous allez poser question. Ce débat, ce qui est dans le salaire, et quoi apporter ni la vie, rien. Ce débat, ce qui est dans le salaire, et quoi apporter ni la vie, rien. Ce qui est dans le salaire, débat, et quoi apporter ni la mboka, rien. Mais ils vont passer des heures et des heures, des émissions et des émissions, pour ne parler que de choses inutiles. Parce que ne vous en faites pas, ils produisent l'inutilité nakati na bango. Les gens ne comprennent pas l'idiotie ou l'imbécilité. Ça se produit au fond de nous. C'est nous qui, créons ça. To fabrika kango. Voilà pourquoi Socrate et les autres avaient pitié des gens qui tombaient dans la bêtise. Bah donc il y a vraiment mawa. Abi oh là là, quel esprit qui est tombé. Oh là là, oh là là, oh là là. On ne le condamnait pas. On ne peut pas condamner un idiot. On ne peut pas condamner un con. On ne peut pas condamner un faible. On ne le condamne pas. On a pitié d'eux, tout simplement. Ça veut dire qu'il y a certains débats qu'on vous apporte, ces débats-là. Il y a un débat qui est mawa. Il y a un mawa. Parce que tu as un débat au lingue, il y a un débat qui a un sens sur mon côté. Il y a un débat de l'autre côté et il y a un débat de l'autre côté. Des questions principales, est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Baza est belé, Batouana. La cerveau à Mickey Wana. Baza est belé. Le petit cerveau. Et puis après, il y a le grand cerveau maintenant. Malheureusement, le grand cerveau dans ce pays, Batala Rabango n'a mis sauté. Parce que la gouvernance, elle est même assise sur la jonction de petits cerveaux et des moyens cerveaux. C'est des hommes et des femmes qui n'ont pas d'ambition. On va créer un hôtel. On va t'en mettre le mot de l'homme. On va créer un pont. On va mettre grave. Tant que vous avez un mot de l'homme, on va mettre un mot de l'homme. On va grave. Quand vous leur dites remplacer les médiocres par les gens qui connaissent. Remplacer la médiocrité par la méritocratie. Soyez fiers d'être gérés par ceux qui connaissent. Et que ceux qui ne connaissent pas, contraignez-le de se taire et d'aller apprendre. Ça fait beaucoup de bruit quand les gens ne connaissent pas. Ils font beaucoup de bruit, ça crie et ça fait mal aux oreilles. Ceux qui ne connaissent pas doivent apprendre. Mais nous, on est dans une société qui réprime ceux qui connaissent et qui encourage ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que ceux qui ont la décision de l'État ne connaissent pas eux non plus. Alors, comme ils ne connaissent pas, ils forment une famille des incompétents. La famille des incompétents, c'est la solidarité. Les incompétents sont solidaires. Ils sont prêts à se tuer l'un pour l'autre. Lorsqu'un incompétent a un problème, il sait qui va l'aider. Son frère ou sa sœur incompétent. Quand il a besoin d'une faveur, il sait où il obtiendra la signature. Chez un incompétent. Et les incompétents se soutiennent. Ils savent détecter là où le sage se trouve. Ils savent détecter ceux qui aiment le boulot. Et ils leur font la lutte. Vous voulez tuer une société, mais n'allez pas loin. Donnez le pouvoir aux faibles. Et ils vont eux-mêmes se charger d'éliminer tous les sages. Parce que le pire qui arrive dans un pays, ce n'est pas une guerre. Le pire qui arrive dans un pays, ce n'est pas la famine. Le pire qui arrive dans un pays, ce n'est pas le coronavirus. Ce n'est pas une pandémie. Le pire qui arrive à un pays, c'est la prise du pouvoir par les faibles. C'est ça, le pire dans un pays. C'est là que vous voyez toute l'économie s'effondrer. C'est là que vous voyez tout l'appareil judiciaire constipé. C'est là que vous voyez tous les tissus sociaux détruits. Tout simplement parce que les faibles ont eu le pouvoir. C'est pourquoi dans une société sérieuse, la lutte la plus importante, c'est de ne jamais donner la chance aux faibles de diriger. Donner la chance aux faibles d'apprendre. Parce que la place d'un faible, ce n'est pas dans la gestion, c'est dans une école d'apprentissage. Mais chez nous, malheureusement, non seulement qu'ils ont le pouvoir de parler, mais ils décident. Ils décident. C'est triste. Mais c'est ça. Alors nous qui voyons ces choses, devons-nous taire? Non. Depuis quand les ténèbres règnent? À jamais. Jamais les ténèbres ne régnera. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la nuit, il y a un temps pour le jour. Alors ceux qui appartiennent dans le groupe de cerveaux forts, Boza Moukie, je reconnais. Mais le changement est de la majorité. Le changement n'est pas, une affaire de la majorité. Le changement est une affaire d'une minorité. Socrate n'avait pas tout atteint son Asimanae. Ah non. Mahomet n'avait pas une myriade Yamato Simanae. Bouddha n'en avait pas non plus. Christ n'avait que 12. Pas plus. 12. Et c'est avec le 12 que le christianisme s'est imposé dans le monde. 12.
Après 12, on produit. 12, produit, produit. Et comme il y a un modèle, wana. Alors, vous, qui dites à longueur de journée, dans quoi ta maman politique que t'es? Mais ce côté maman politique que t'es, vous allez laisser ça entre les mains des faibles. Vous voulez moraliser la société, intégrer la politique. Faites la politique. La politique ne changera pas d'elle-même. C'est nous qui allons changer les choses. C'est nous qui allons imposer un système. Mais si nous nous taisons, ça ne marchera jamais. C'est pourquoi je viens ce matin t'encourager, mon frère. Toi qui as refusé de voler l'argent de l'État, continue sur cette voie-là. Toi qui refuses de corrompre, continue sur cette voie. Toi qui refuses de faire des faveurs inutiles, continue sur cette voie. Cette voie finit par payer. Même lorsque tu ne vois rien, ça finit par payer. Parce que nos enfants vont juger certaines personnes à titre posthume. Des gens que le présent élève seront enterrés dans le futur. Ne vous en faites pas. Nos enfants seront de vrais juges. Nous, pendant qu'on est en train de construire l'histoire, on est encore en train de faire des choses, on ne nous voit pas, on ne nous sent pas. Mais nos enfants viendront demain, ils liront nos traces, ils liront nos œuvres. Ils vont nous établir, ils vont nous faire des monuments. Et ils détruiront les monuments de ceux. Vous savez, dans une société, mesdames et messieurs, il faut que je vous le dise. Choisissez d'être célébrés par ceux qui ne vous ont pas vus. Mais qui vous ont lu. Parce que ceux qui vous ont vu, vous ont peut-être élevé par peur des représailles. Cela n'est pas le produit de leur cœur. Voilà pourquoi je m'abstiens de lire les livres des contemporains. Il y a beaucoup de corruption. Je préfère lire les livres de ceux qui ont lu les autres. C'est toujours très important. Parce que quand on est mort, on n'a plus de pression. Tous les livres qu'on a écrivés à l'époque de Mobutu, aujourd'hui les mêmes écrivains disent les contraires de tout ce qu'ils disaient. Tout le livre qu'on a écrit à l'époque d'Hitler, les vantants, les plébiscitants, aujourd'hui, les gens écrivent les contraires. Voilà pourquoi l'histoire est incorruptible. Elle subit des soubresauts, elle subit des pressions, mais elle reste incorruptible. Je préfère être jugé dans le tribunal de l'histoire qu'être jugé dans le prison aujourd'hui. Ça ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, mes contemporains ne me comprendront pas parce que je bouscule leurs intérêts. Ils ne me comprendront pas. Mais Dieu gardera nos œuvres. Les enfants de nos enfants viendront. Ils se souviendront qu'il y a eu un monsieur qui criait dans le désert, qui disait aux gens, changeons nos mentalités, nous allons courir, nous courons un risque. Parce que la véritable alternance, c'est l'alternance des mentalités. Il faut d'abord qu'on change nos mentalités. Quel est l'état que nous créons aujourd'hui? Moi, j'entends les débats que les gens nous amènent. Ah, débat au macroéconomie, débat au économie, débat réserve d'échange, débat bon, les autres côtés belés. Je vais bien. Tout ça, ce sont des très bonnes choses. Mais la question, quel type de société voulons-nous avoir? Excusez-moi. Quel type de société voulons-nous véritablement avoir? Une société élitiste? Une société de principes? Une société des valeurs et des vertus? Ou nous voulons être une caverne de voleurs, une caverne de mafieux? Ou nous voulons imposer la loi de l'omerta? Si c'est ce que nous voulons, ben allons-y, faisons-le et assumons. Assumons. Mais ce que nous allons assumer, ce n'est pas la pauvreté, la disette et le désordre, le chaos maintenant, mais ce sera le jugement tragique de nos enfants demain. Ils nous regarderont avec honte, et ils auront même honte de porter notre nom, au point qu'ils pourront même changer les noms de ce pays, parce qu'ils diront que ce pays rappelle la honte, la désolation et les crimes le plus odieux, mais qui sont restés silencieux. Mais c'est à nous de décider. Voulons-nous donner à nos enfants un pays où ils vont nous regarder avec fierté? Où ils diront, nous avons eu des ancêtres. Nous avons eu des hommes et des femmes qui se sont battus pour notre futur. Parce que j'ai comme l'impression que nous vivons cette vie comme si nous sommes le seul à vivre. Comme si on n'a pas d'enfants. Allez dans les maternités, allez voir comment les enfants sont sacrifiés avant même qu'ils naissent. Égoïstes sommes-nous, inconscients sommes-nous. Mais nous pouvons changer si nous voulons véritablement changer. Quel type de société nous voulons créer? Regardez, aujourd'hui, vous avez l'Occident qui est divisé par deux. Trois ou en deux, si vous voulez. Mais l'Occident est divisé en deux. Le bloc européen, encore que le bloc européen lui-même aussi est divisé. Et puis, vous avez le bloc américain. Et puis, vous avez un autre bloc, c'est le bloc oriental. Le bloc oriental est aussi divisé par deux. Il y a le bloc de l'Asie au sens propre, je vais dire, vous avez la Chine, l'Inde, les dragons et tout le reste. Et puis vous avez le côté arabe aussi, qui essaie de prendre sa place dans le monde.
Pendant ce temps, l'Afrique fait quoi? L'Afrique est encore dans les individualités. L'Afrique est encore dans des discussions inutiles. L'Afrique est encore dans les coups d'État. Savez-vous quand les coups d'État ont cessé en Asie? Savez-vous à quand remontent les derniers coups d'État en Europe? En Amérique, n'en parlons même pas. Savez-vous les derniers coups d'État en Asie? Les derniers coups d'État en Europe? Mais vous savez, les derniers coups d'État de l'Afrique, c'était hier. Ça veut dire que nous ne comprenons même pas où nous allons en réalité. Nous ne comprenons pas où nous allons. Qu'est-ce que nous faisons? Quel type de société nous voulons nous-mêmes avoir en Afrique? On ne connaît pas. Est-ce que vous êtes dans, nous sommes dans la logique de financer des sociétés secrètes? Aujourd'hui, le Congo doit se décider de ce que le Congo veut, où est-ce que le Congo veut aller. Parce que si nous sommes avec les Chinois, si nous sommes avec les Japonais, si nous sommes avec le Malien, si nous, pardon, je veux dire le Français, les Anglais et tout le reste, si nous sommes avec eux, nous devons avoir le meilleur de nos enfants qui vont traiter avec eux. Mais est-ce que nous sommes dedans? Est-ce que nous sommes dans cette perspective-là? Est-ce que sommes-nous en train de voir dans cette direction-là? J'ai comme l'impression que non. Nous avons toutes les possibilités de dessiner un pays meilleur qu'avant. On a toutes ces possibilités. La seule chose à faire, c'est mettons l'accent sur la méritocratie. Si vous regardez la RDC convenablement, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, c'est que les gens ne sont pas à leur place. Si vous regardez bien, vous allez voir que les gens ne sont pas à leur place. Et ces désordres-là ne nous profitent pas. Ça ne nous profite pas. Voilà pourquoi je demande et j'implore aux gens de construire des sociétés, une société élitiste. Une société où l'on apprend à ceux qui ne connaissent pas. Une société qui fait la promotion de ceux qui connaissent. Bato bayebi basala, bao bayebite bayekula. Et ça sera bongo. Mboka est rendu bongo. Mboka ou bien ba débat ya malonga to salate. Ba débat penza ya solo to salate. Et on nous fait rater ba débat ya malonga. Bota la débat ou ba lingi ba ou ba ratise biso Congo. Débat ya nationalité. Sur l'accès ya verrouillage ya ba fonction na pouvoir. Tala ba débat ya malonga. Modèle loi, non. On n'en parle pas. Balibino débat à recensement, personne n'en parle. Débat à identification, personne n'en parle. Mettez la place au bateau, balibino ça là-bas débat sur le jeep. Vous en voulez? Là où le débat est allé, jeep, azui jeep, té azui té. C'est là où on a dans le débat. Bon, moi qu'un modèle ligne, pour évoluer n'engine. Bateau, boboi boyebi. Bon, boboi boyebi. Bon, mon copain boyebi té. Si mon canapé bokoli mala monté. Je me pose la question, bokolongwa na boumbo ndenge nini? Po boumbo to li nango ali boumba mondele te. Boumbo to li nango be ali pe boumba bopa ya bapa ya te. Boumbo to li nango ali boumba kuzangi mayele, ali boumbu ya kuzanga nzebi. Biso tozangi na nzebi, na bonkoko, na mayele, na bwania. Tozangi biloko wana nyoso. Kasi soki bozangi biloko wana nyoso nde komisaka mboka na lojongo ya modele oyo bokoyeba te bokokende sika nini bokotambolako bebongo bokoyeba te liboso ya liwapi sime ya liwapi bokoyeba te bali lokola kata libungu tulu moko bokobalukaka mboka bakambaka yango modele wana te tuna bato nyoso bakomisa yoke bamboka nyoso oyo etongama na mboka etongama. Batonga yango na eloko bo moko. Batia boyebi liboso, batia nzebi liboso. Na bamboko wana, bato bali na bongo. Na bato bali na motema, bango nde bapesaka bango bokonzi. Po bango bako kamba. Po moto ali na bongo, asala kombe makambo malunga. Moto ali na motema, asala kombe makambo alimemia. Kasi soki yo, bongo ezalite. Motema pe alite. Mekasi yondo du bokonzi. Mekasi mboke kufit, eh. Mboka ekufi. Nalobaki yango na français. Mboka ekufaka te po nzale yali. Mboka ekufaka te po bitube koti. Mboka ekufaka te po bokono. Eko tongisa yango. Mboka ekufaka be soki babolole bazui bokonzi. Mboka ekufaka modelo wana. Mboka ekufaka soki bolema bazui bokonzi. Soki bato bali na eloko te na motu na bango. Bango bazui bokonzi. Mboka ekufaka. Sika mboka na biso depuis 1960. Tilelo. Toko tambolo ndike toko jonga sima. Toko tambolo ndike na milangba. Toli ndike mboka mboka yabe wewe. Toko tambolo kobe bongo. Toko tambolo kobe bongo. Wewe praso kendate. Praso kbayo kbayi. Sika mboka modelo na bongo sana ngone nini?
Wana peso ki ba lobi o te ali moto mabe te ali kama ko ya moto mabe te po ndembo ya moto mabe moto mabe moto mabe e koma na suka na ngongo nga moko boye na yango wana to lobi boye mokonzi ya mboka po ali ko kamba biso ali na ebite na koloba ali na likabo moko exceptionnel ali na chance moko inimaginable chance ya kokoma na mboko ali na kao parce que les leaders ce n'est pas lorsque les choses vont bien. Le leader, c'est lorsque tout va mal. Le leadership se dessine dans le chaos. Quelqu'un même disait que ce sont les chaos qui engendrent les vrais leadership. Président Akuti Mbokao na se. Mbokao et se koufi. Mais l'obi toko tout, toko lobate que Mboka koufaka, te toko loba bongote. Toko se rappelé que Adjoaka Bokondi, pe asala kanin, moutou na yangoana. Ndese koto yubi si na Bokondi. Ngongango e koki. Ngongango e koki. Sala makambo ya malunga. Makambo malunga za lini ni yali bonza oto za lini nango bandela. Mokonzi ya mboka, bandela mboka. Biso toyo kasoni te esengeli na biso to bandela kozala. Soki to bandeli kozala te, to kozala te. Toko tambo lobe bongo, toko tambo lobe bongo, to kozala te. Toko lokwa balongembo. Oke pa bandeke baboyo, oke pa banyama baboyo. Po biso kote ya mokoko to ebipete, kote ya mokanda pe to ebite. Et c'est que bato bayo kolaka biso to alite. Et c'est que bato bandong banaka to alipete. Mais to lié to lingi beto le sika bato, c'est que bato bakambaka. Mais bakambaka soko yebite. Bakambaka ndeso ko yebi. C'est un cri de détresse. Avec toute la douleur que je ressens pour mon pays, je me dis rien n'est perdu. On peut encore faire les choses. Monsieur le président, détruisez ce système. Reconstruisez un autre. Ce système va vous amener à l'échec. Ce système, avec ce système, vous n'allez pas gagner. Impossible. Ce système a été conçu pour faire la promotion des antivaleurs. Ce système a été conçu pour faire la promotion des faibles. Et il est tenu par des faibles. Vous n'allez pas réussir. C'est génétique. C'est génétique à ce système. Vous ne pouvez pas le sauver. Et c'est possible. Attends, le système est infecté la source nango. Mais toi, tu as un problème à résultater. Toi, tu as un problème à disposition. Et tu as un résultat. Et tu as un 3 plus 3. Bah, on va aller à 8. Et comme 8, tu es, monsieur le président. Et comme 6. Bah, on va aller à 8. Et comme 8, tu es, toi, tu es 8, monsieur le président. Bah, lola kuna. Bah, qui ça kuna le komoko? Tu as 3 plus. Ce qui est bon, parce qu'il y a un autre, mais si, non? 3 plus 3. Ok. Mais toi, tout le monde qui faisait la 6. Mais bah, on va le mettre. Il faut aller à 8. Monsieur le Président, tu as deux choix. Soit, au bandeli calcule à 0, au PC, au tchè 4 plus 4, soit au tiki 3, mais au tchè 5. Comme ça, tu es au combat à 8. Mais ce qu'on a dit, c'est que 3, n'a pas bon goulandé 3 beaux. N'a pas bon goulandé 3 beaux. Tu es aussi battu. Dans la vie, il y a certaines pages qu'il faut déchirer, juste passer, et d'autres qu'il faut tout simplement déchirer. Et recommencer à 0. Que la peur quitte nos esprits. Et que Dieu bénisse la RDC. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des conteneurs, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo.
Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Guinée aux hommes, c'est au pinoir, Daïmata, Chino, Tenele, Nakinia, Panapiko, Namosala, Toto, Gabo, Kakule, Kakitoko, Nakinia, Panakongo. Loyer Bolon, Nene, Yalisa.